Et salut tout le monde, c'est TheLeJoKa6. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo que je n'avais pas prévue mais qui s'est offerte à moi. C'est une bonne chose, autant pour vous que pour moi, comme ça fait du contenu sur la chaîne. Parce que c'est vrai que parfois je manque d'idées, je vous l'accorde. Enfin bref, voilà. Pour une fois, je suis tout seul, c'est vrai, je suis pas en compagnie de CCMS. D'habitude, je suis toujours en sa compagnie. Mais c'est un peu à cause d'elle que je suis ici. Je m'explique. Si vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé sur YouTube au niveau de la communauté francophone minecraftienne, vous devez sans doute savoir qu'il y a un événement Minecraft qui a été mis en place par un youtubeur qui s'appelle le Lucky Défi. Alors le Lucky Défi, c'est quoi? C'est une map qui à la base c'était une map qui a été modifiée par la personne en question et c'est fait avec un mod. Et en gros, sur cette map, on va tester notre niveau de chance. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Je vais vous lire les panneaux, même si moi, je les ai lus déjà plusieurs fois parce que j'ai regardé, enfin, je sais ce qu'ils disent parce que j'ai vu plusieurs vidéos là-dessus, sur le Lucky Défi, parce que j'ai suivi l'actualité, enfin, ben, voilà. Oui, je suis en game mode parce que je voulais monter là-dessus et que de base, on est en game mode 1, je sais pas trop pourquoi, enfin, bref, voilà. Alors, le Lucky Défi, c'est quoi? C'est un défi mis en place par The Beast Walker, réunissant la communauté francophone des youtubeurs Minecraft, pour savoir qui de nous est le plus chanceux. Les crédits, donc, c'est pas vraiment très important, mais bon, on va quand même les citer. La map originale, c'est Lucky Block Race Map, donc je vous ai dit, le créateur a modifié la map. De Lectardo, le créateur de la map a utilisé un système de redstone appelé le Hardcore Box Schématique, qui a été créé par IPR. Et la modification du concept Lucky Défi a été créée par The Beast Walker, donc celui qui a lancé l'événement. Et c'est un mode qui est en 1.7.10, créé par Player in Distress. Voilà, alors ici on a quoi? On a les règles. Alors les règles sont assez simples, ne pas poser de bloc, rester en normal sauf cas extrême. Parce que je suis en normal. Je suis en normal. Casser tous les lucky blocks et même ceux donnés dans les coffres. Restez dans le couloir, vous pouvez mettre des armures mais pas de craft. En gros on va avoir des armures mais on pourra pas les crafter. Et rester dans le couloir, ça veut dire qu'il faut pas monter sur les murs, etc. Numéro 5. Numéro 6, vous pouvez casser des blocs mais il faut faire les jumps. Donc il va y avoir des petits moments parcours qu'il faudra faire. Et 7, les underpearls sont interdites, c'est à dire qu'il y en a mais qu'on n'a pas le droit de les utiliser. Voilà. Alors c'est OCSNS qui m'a nominé pour ce truc. Le concept est très simple en fait. On fait le truc et on nomine plusieurs de nos enfin pas nos amis mais d'autres youtubeurs minecraftiens que l'on connaît bien ou pas forcément. Enfin voilà. On nomine d'autres personnes et OCSNS a nominé 3 personnes dont moi. Donc voilà, je vais la faire parce qu'en plus ça m'amuse ce genre de petites conneries comme ça. Enfin bref, voilà, moi je vous le dis à l'avance, j'ai pas grand monde à nominer parce que je connais pas énormément de. J'ai pas énormément d'amis qui font des vidéos Minecraft, à part au CCNS, mais comme celle qui m'a nominé, ça va pas être trop possible. Donc du coup, voilà. Bon, il faut que je vous avoue quelque chose, je suis pas le mec le plus chanceux du monde, hein. C'est que ça soit dans la vraie vie, dans Hearthstone ou dans Minecraft, j'ai pas énormément de chance, je dois vous l'avouer. Je dis un peu la même chose que tout le monde, c'est-à-dire tout le monde dit qu'il trouve qu'il a pas de chance, donc avant de faire le Lucky Défi, tout le monde dit ça, qu'ils ont pas de chance. Mais il y en a qui se sont pas trop mal démerdés. S'ils ont fait un mauvais score, c'est aussi parce qu'il manquait un peu de skill, enfin bon. Il y a le meilleur score, ça doit être un truc du genre 1 minute 20, et le pire, ça doit être quelque chose de comme 18 minutes. Mais honnêtement, le mec qui a fait 18 minutes, sans vouloir être méchant avec lui, hein, c'est absolument pas méchant, mais il manquait vraiment d'expérience sur Minecraft, ce qui fait qu'il perdait bien plus de temps sur les jumps ou les trucs comme ça qu'à cause des lucky blocks. Voilà, bon du coup on va partir, parce que moi ça fait un petit moment que je cause, et il est temps de jouer! Oh là là, par contre j'espère que ça sera pas trop vomitif pour vous. Parce que j'avoue que le FOV est pas mal. Run!
me suis fait exploser, c'était d'une violence. Alors là, faut que je passe par ici pour pouvoir revenir sur le tris, sur le couloir. Vous m'en voudrez pas, mais si c'était un poil sur le bord, on dépose sur son table, clairement. Petit villager, knocker, ça, ça me fait flipper. Ah, j'ai pas les particules. Ok, des popos. Ah, ça va, je suis pas mal. Là. À part une petite explosion qui m'a fait un peu mal au cul. Hop, hop, hop. Nickel. Next. Restez loin des Lucky Blocks, c'est plus conseillé. Donc tu les veux. De l'émeraude. Des trucs de TNT et tout. Hop. Non. Oh. L'esquive. L'esquive, l'esquive magnifique. J'ai esquivé en sautant, c'était plutôt beau, je suis plutôt fier de moi, effectivement. Est-ce que c'est de la triche? Je crois pas que ce soit de la triche. Je suis pas sûr que ce soit considéré comme la triche. Bon, c'est pas grave, hop. Putain, mais j'ai de la chance, je suis pas mort... Allez, je suis censé être mort deux fois. Ça, c'est bon aussi. Ah. Alors lui, je l'ai tellement pas vu venir, je l'ai pris en pleine bouche. Bon. Ok, très bien. Le caca. Ok, nickel. J'ai un peu de temps sur les jumps. C'est ça, clairement. Allez, 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 allez. Je suis pas un temps dégueu, là. 2006, c'est pas dégueu. Est-ce que le géant zombie aura disparu? Le zombie géant, putain, c'est plus facile. Oh, il a pas disparu, alors ça c'est... Ça c'est chiant. Alors la question c'est comment je passe. Ça passe là. Oh. Ça sent la maîtrise par ici. Aïe. Non, laisse-moi tranquille. Oh. Ça, ça peut casser plus vite. Oh, une misère ça. Quartz. Lucky Ship. Hop. Nickel. De l'or. Mettre mon KTP, c'est dommage. Bisous. Nether Star encore purée, mais j'ai énormément de chance en fait. Ah, ok. On s'en fout, on finit. On finit. Oh, le bouton, c'est bon. Eh ben, j'ai eu de la chance. Ah, oh, c'est tellement rare. Ah, oh. Oh, ça fait du bien. Attends, on va quand même se mettre en gold parce que c'est plus la classe. Faut avouer. Voilà, plus de diamants. Magnifique. Bon bah du coup c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je sais c'était très court. Je suis désolé, mais c'est le principe de la map. Hein. Vous pourrez télécharger la map dans la vidéo de The Beast Walker. Je pense que je vais mettre le. Non, je peux pas mettre le lien en description. Non, je n'ai pas le lien. Je suis désolé, j'ai pas le lien. Je l'aurais bien mis en description. Au pire, j'irai chercher sur la vidéo du créateur. C'est pas bien grave. J'espère que ça vous aura plu. C'était court, mais c'était assez fun. Moi ça m'a bien plu, je viens de remarquer que j'avais pas tant... Enfin j'avais pas vraiment... J'étais pas si malchanceux que ça. Je suis plus malchanceux sur d'autres jeux que sur Minecraft, faut croire. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.